Alors, Rodolphe Oppenheimer-Faure, donc on vous retrouve pour la partie artistique, puisqu'on a parlé un petit peu de votre livre, d'Edgar Faure, donc le politicien. De Gaulle lui a proposé un portefeuille, qu'il a refusé, se disant, les gens vont dire, oui, Edgar Faure, il court après les portefeuilles. Une fois refusé, on a dit, ah, Edgar Faure, quand même, il court malgré tout après les portefeuilles. Alors, quand le général de Gaulle est revenu, il lui a proposé à nouveau un portefeuille, cette fois-ci, il l'a pris, et ça s'est très bien passé. Alors, que pensez-vous de ce parcours ? Écoutez, pour moi, c'est un parcours quasiment sans faute, mais j'ai toujours évidemment ce regret qu'il ait évidemment échoué à la magistrature suprême. Alors, quand il était interviewé et qu'on lui faisait remarquer, il avait une grande mauvaise foi à dire « si j'avais voulu être président, je l'aurais été ». À mon sens, il a raté à un moment le coche au moment de Pompidou, puisque Pompidou lui avait proposé d'être Premier ministre, à condition de ne pas se présenter, il ne s'est pas présenté, et malgré tout, il n'a pas été Premier ministre. Comme quoi, les promesses n'engagent que ceux qui les font, et éventuellement ceux qui veulent bien les entendre. Alors, pourquoi cette envie, là, c'est un premier recueil sur la vie d'Edgar Faure, pourquoi cette envie de sortir, pour moi, c'est un phénomène littéraire pour le mois d'avril, alors, pourquoi cette envie, et vous l'avez coécrit avec un de vos amis. Absolument. Alors, l'engouement pour mon grand-père, pour moi, c'est un devoir. C'est un devoir de mémoire. C'est un devoir qui a commencé en 2003 avec la création de l'association Edgar Faure, qui a, comme vous le savez, vocation à remettre un prix politique chaque année, avec un jury aussi très œcuménique, à savoir droite, gauche, centre. Qui est remis à peu près entre le mois d'octobre et le mois de décembre chaque année. Il y a eu ensuite un film, qui est le seul documentaire qui a jamais été fait, que j'ai produit, qui s'appelle Edgar Faure, l'enragé du bien public, qui est un 52 minutes qui retrace la vie de mon grand-père. Et là, effectivement, il ne reste plus que deux choses, c'est-à-dire à faire un livre et éventuellement à faire rechanter ses chansons. Parce qu'il avait écrit un grand nombre de chansons, dont une avait été chantée par Serge Reggiani, qui s'appelle « La longue attente », et un album lui avait été consacré par Jean-Claude Pascal. Mais à mon sens, il y a peut-être encore des choses à faire. Alors, pour mener à bien cette belle carrière, Rodolphe, vous êtes entouré d'amis, de fidèles. Alors, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors du prix Edgar Faure? Donc, est-ce que vous pouvez me parler? Il y a Jean-Philippe Morel, il y a Luc, enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. Oui, alors c'est effectivement, je donne une importance toute particulière à mes amis. Il y a Jean-Philippe Morel, comme vous l'avez bien cité, qui est vraiment le premier cercle, qui est l'avocat, le confident, l'ami, le conseiller, et parfois ce qui est bien aussi, c'est le déconseiller. Parce que c'est bien de conseiller des gens, mais parfois c'est bien de leur déconseiller des choses. Bien sûr. Donc Jean-Philippe, c'est la force tranquille. Luc Corloer, c'est un alter égal, on est une pièce de monnaie quelque part, face A, face B. Je pense qu'il était le seul à même de pouvoir me comprendre dans mon écriture sur Edgar Faure. Il avait toute l'humilité et la grandeur, quelque part, de me dire « c'est compliqué de le faire ensemble, ça sous-entendrait que je serais moi aussi un petit-fils d'Edgar ». Et je lui ai dit « mais c'est pas un sous-entendu, tu es un petit-fils d'Edgar ». Donc on a vraiment mené cette écriture à quatre mains, dans une sérénité, avec un bonheur incroyable, en s'échangeant dans la nuit des mails au même moment, sans le savoir, en ayant les mêmes idées, en ayant vraiment une ligne directrice totalement identique. Vous n'avez rien partagé, vous n'êtes pas partagé des chapitres, ni la partie historique, l'autre la partie littéraire. C'était vraiment quelque chose de... C'était, comme vous dites, à quatre mains. C'est ça, c'était complètement fou, parce que les choses se sont synchronisées, sans qu'on ait un plan de travail très précis, et on écrivait chacun de notre côté des chapitres, qui n'étaient jamais les mêmes d'ailleurs. On se disait, attention, on va peut-être écrire le même chapitre. Eh bien non, ça n'arrivait jamais. Et on s'échangeait beaucoup de documents comme ça, on s'est déplacé, on était voir la maison d'Edgar, on était voir beaucoup de choses. Moi, je lui ai beaucoup raconté mon histoire personnelle. J'arrivais à peu près avec 105 ou 106 pages quand on a commencé le projet. Donc on les a redécortiquées, réécrites. Donc c'est un vrai travail, d'amis, un vrai devoir de mémoire partagé à deux, avec vraiment un 50-50. Je pense qu'il dirait la même chose. On a vraiment coécrit le livre. Alors, parce que ce que je voudrais poser comme question, justement, puisque ces secrets de famille, on est habitué aujourd'hui à avoir justement des secrets sur les stars, sur la pipolisation, sur les gens connus. Ça, c'est peut-être quelque chose
qui est très attendu, mais les secrets d'État. Est-ce qu'il y a des secrets d'État qui sont vraiment... Des secrets d'alcôve ? Voilà, que personne ne connaissait vraiment, quoi, puisque c'est des secrets. Comment avoir choisi ces secrets-là ? Est-ce qu'il y avait des choses vraiment importantes pour la France que vous avez révélées dans ce livre ? Alors effectivement, on a repris pas mal d'affaires, pas d'une façon journalistique, je dirais, à sortir des grandes choses. On a repris des grandes affaires qui ont été les dossiers, soit d'Edgar Faure en tant qu'avocat, soit sur le tracé de sa carrière, évidemment comme il a couvert la 4e et une grande partie de la 5e République. Des affaires maintenant, ça n'aura pas un retentissement comme peuvent avoir certains livres qui se disent en tout cas choc, où on est censé trouver de grandes choses, et malheureusement souvent il n'y a pas grand chose. Là on va être sur quelque chose peut-être de plus calme, de plus factuel, mais on reparle d'affaires, mais sans essayer de sortir des choses extraordinaires qui ne sont jamais arrivées. Ce sont plus des histoires sur le parcours, sur comment, des petits secrets d'État, disons. Oui, ça sera vraiment comment aurait été la gestion d'Edgar Faure par rapport à des gros dossiers, mais sans vouloir faire croire qu'on va sortir des scoops qui parfois n'existent pas. Et puis on s'aperçoit que souvent, quand il y a des grandes affaires, il y en aurait 50 à citer, on nous explique qu'il y a eu des complots, qu'il y a eu des choses, mais finalement, c'est le complot qui fascine les gens et c'est pas l'affaire qui crée le complot. Alors, votre vie s'écoule à un rythme très accéléré. L'écriture, la musique, la politique, quel est votre moteur principal ? La vie et l'amour. Avez-vous des impulsions ? Un peu trop, sans doute. Êtes-vous ambitieux ? Très. Bon. On est presque chez Ardisson, là. Oui, pratiquement. Quelle est votre stratégie ? Ma stratégie, c'est une bonne, très, très, très bonne question. Ma stratégie, finalement, elle se décline un petit peu au jour le jour. Parce que finalement, on a beau avoir beaucoup de rendez-vous, mais chaque matin, quelque part, amène son lot de nouveautés. Et donc, on s'aperçoit que par rapport à l'actualité, la nôtre s'adapte, ou doit du moins s'adapter à ce qui se passe. Un projet qui est mûr un soir pour le lendemain, il suffit qu'il y ait une activité qui change et tout à coup le projet est remis en question, ou du moins la méthodologie du projet. D'accord, alors on va parler un petit peu de l'actualité actuellement, ce sont les Jeux Olympiques à Sotchi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis là-dessus ? Je pense qu'au niveau de la Russie, ils ont mis vraiment le paquet pour que ce soit quelque chose d'extrêmement luxueux. J'ai juste un peu peur que le peuple ait à payer en mangeant encore moins cet excès de gabegie. Oui, il y a eu beaucoup de gens expropriés d'ailleurs. Entre autres. Voilà. Pour le Brésil, c'est pareil pour la Coupe du Monde. C'est pareil pour la Coupe du Monde. Moi, j'ai toujours cette peur que le peuple, quelque part, paye encore plus le côté un petit peu outrancier, le côté paillette et strass que certains dirigeants veulent donner comme image au monde. D'ailleurs, on se rend même compte en France, lorsqu'il y a eu les Jeux Olympiques, il y a beaucoup de complexes sportifs qui sont lâchés dans la nature, qui ne servent plus à rien. Plus à rien du tout, même plus utilisés, laissés complètement sur le côté, avec des crédits qui ont été complètement dévalués. Ces trouvailles verbales, ces aphorismes, pouvez-vous me citer un aphorisme ? L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Merci Rodolphe. Merci à vous.